Dutch, so just anybody that speaks Dutch, you're more than welcome to grab me after. Yeah, so I am at Stripe to essentially head up international expansion. So obviously, we are in Europe. We just went into beta in the UK, and I am just arrived in Paris late last night to start kicking off things here. It will take us a little while longer before we can start flipping switches, but we are obviously keen to meet developers and people that could potentially use us. So I'm here for questions, so feel free to grab me and whatever I get roped into for the rest of the night. So, hello. Thank you. And and first of all, before anything else, Stripe are also a good open source citizen. And I didn't yet have time to do anything with Poncho. I don't know if anyone was at my grape talk 2 or 3 weeks ago, I don't know. But anyway, this is a new competitor for Web Machine and Grape, the third option to do REST APIs in Ruby. So if there are Rubies, have a look. And if you don't know it, it means you're not following the change log. If you're not following the change log, you're doing something wrong. My presentation now. So basically, this is not really. Who qui souffre les martyrs de l'anglais? Okay. Donc, we're going to do it in mixed languages. I'm going to sometimes speak in French, sometimes in English. My slides are in English, so I will speak while there are slides. I will speak in French. Donc, je vais plutôt parler en français. Les slides sont en anglais comme ça. But still, because this is information that is needed here, this doesn't belong to me. I'm just going to very quickly go over some stuff, all of which you already know, but that's not a problem. And then we will try to delve into specific APIs. This is going to be a live thing. So he's demoing here. The fact that you can come here and talk about your stuff, like Poncho, which we will not talk about currently. But alors de nouveau, on va. Ça va être d'abord une présentation qu'il y a des choses que vous connaissez déjà, mais on va traiter un peu les bases. Et après, on va essayer de prendre des cas réels. La meilleure chose au monde, ce serait que s'il y a des gens qui s'y développent des API, qui ont des API déjà en prod. On pourra peut-être ensemble les regarder et regarder et ce qu'il y a des sublimes et qui peut être pour les autres une réelle inspiration. Et qu'est-ce qui pourrait être mieux fait? Et on pourra à la limite disséquer un tout petit peu Stripe. Et je vais commencer ma prise. Salut. Donc, il me faut un clavier. Que ça, plus proche de moi. Et donc, d'abord, une petite introduction. Et donc, moi, je suis Ori Pekelman. Et je suis Ori Pekelman partout. Je n'ai pas de petits surnoms bizarres. D'accord. Donc, GitHub, LinkedIn, Twitter. Et j'ai un blog, là. Hop. J'ai un blog là, qui s'appelle blog.constellationmatrix.com. Il n'y a pas énormément de choses dessus, pour le moment. Et je suis un architecte logiciel indépendant, quelque chose comme ça. D'accord, donc c'est quoi une API? Une API, c'est quelque chose qui expose d'un programme des fonctionnalités, mais souvent et aussi de ses données. On est d'accord là-dessus, je crois. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une bonne API? Donc, une bonne API, elle a quelques qualités. Et une des premières qualités qui sera un tout petit peu en contradiction avec d'autres qualités, c'est qu'elle est abstraite. Abstraite, ça veut dire que le système qui va utiliser notre logiciel de l'extérieur doit avoir une connaissance minimale de ce qu'il y a à l'intérieur de notre logiciel. Parce que toujours, nous, dans nos logiciels, on a énormément de métaphores internes, on a tout un domaine, un modèle qu'on a construit. Donc, et parmi vous, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui font du web. Qui fait du web ici? Voilà. Donc, sans doute, vous le faites tous très, très proprement.
Et donc, vous le faites avec des MVC, des choses comme ça. Donc, vous avez déjà un modèle. Mais le modèle, c'est toujours, il va représenter votre métaphore interne, ce que vous comprenez de votre business. D'accord ? Et si vous faites très bien votre travail, ce sera même une belle partie de votre valeur. C'est la capacité de créer un bon modèle. Mais le monde externe ne partage pas forcément les mêmes abstractions. Et toujours, vous avez sans doute utilisé des logiciels. Vous n'écrivez pas tout seul. Et sans doute, vous utilisez, par exemple, un framework, je ne sais pas, et Rails ou autre chose. Rails va avoir, par exemple, par défaut, il va se trembler avec Active Record et il va avoir une idée d'un ID qui va représenter un objet. Mais ça, c'est une cuisine interne de Rails. Ça, c'est une cuisine interne de votre... Et programme quand on va exposer des choses vers l'extérieur. Et il faut qu'il y ait que le monde externe n'ait pas savoir ou à lire la doc de Rails pour réussir à l'utiliser. La deuxième chose, c'est que tant que possible, l'API est standard. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est standard? Standard, ça peut dire énormément de choses. Mais en gros, souvent, standard, ça veut dire tout simplement que les coûts de se connecter à votre chose, de se brancher sur votre chose, est minimal. Dans notre domaine, les logiciels, en gros, ça veut dire, on peut les traduire directement dans la quantité de dépendances obligatoires d'un code client. Donc, une API qui est standard, on va le déterminer ainsi, c'est une API qui n'a pas besoin pour ses clients d'importer énormément des tierces librairies. Donc, si par exemple, on ne va pas évidemment faire les débats parce qu'il est inutile. Mais si je dois faire du SOAP, j'ai besoin d'importer quelque part quelque chose qui va au moins savoir traiter de l'XML, n'est-ce pas? Et si j'ai fait une API XML RPC, je peux probablement déjà traiter l'XML à mode texte, les parser moi-même, parce que le niveau des connaissances de l'XML va être beaucoup plus bas probablement. Et si j'ai un format textuel simple, j'ai une méthode API qui dit on-off et j'envoie un 0 ou un 1, là vraiment on n'a plus aucune librairie, toute chose qui est capable de faire du code est capable de l'utiliser. Et la troisième chose, c'est qu'une bonne API, et on verra beaucoup de contradictions entre l'abstraction, ça, et c'est ce qui va se passer derrière. Une bonne API est générale. Et quand on dit général, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que vous seriez sans doute beaucoup plus heureux, et peut-être vos utilisateurs aussi, si vous n'imaginez pas dès le départ tous les cas d'usage que l'utilisateur peut en faire. Et parce qu'en gros, souvent, l'effet quand même de faire une API vient d'une volonté business quelconque, un objectif business qu'on veut atteindre avec la chose. Et souvent, c'est pour faire des usages précisément que vous n'avez pas imaginé ou que vous ne souhaitez pas faire vous-même. Et donc, si l'API est restreinte à un nombre trop limité de cas d'usage, et probablement sa valeur aussi en sera limitée. Mais l'API doit aussi être simple. Et ça, c'est une des choses, évidemment, que tout le monde sait que la simplicité est chose rude. Mais même si on va essayer de ne pas restreindre les cas d'usage de nos API, quand même, on sait bien qu'il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont absolument communs, qui sont très habituels et parfois qui sont obligatoires. Et je vais vous donner déjà tout de suite des cas d'usage d'une importance terrible et qui sont communs généralement. Les premiers, c'est les premiers usages. C'est-à-dire que toutes les API ont au moins ça comme cas d'usage commun. Quelqu'un les aura utilisés, ou chaque développeur les aura utilisés pour la première fois. Et donc, ce n'est pas un cas d'usage métier, c'est un cas d'usage dans ce qu'on détermine comme l'expérience développeur, mais c'est un cas d'usage très, très intéressant. Et en plus, voilà. L'autre cas d'usage assez habituel, c'est l'authentification. C'est-à-dire que très souvent, vos API vont avoir des versants
complètement public ou public mélangé au privé ou complètement privé. Et l'utilisateur devra réussir à faire ses claims sur l'identité qui est l'authentification. Et donc, au moins, on peut dire que toujours on parle des bons API, que pour une bonne API, au moins, ces deux cas d'usage-là sont simples, que c'est très simple de s'authentifier et que c'est très simple de faire les premiers appels à l'API, parce que toujours, on n'y passe pas. Et globalement, si vous échouez sur ces cas d'usage-là, Maintenant, on va déjà, parce qu'on a promis de l'hypermédia, et c'est là vont commencer à sortir les odeurs hypermédia. Et une bonne API, c'est décrit toute seule. Et ça, c'est déjà une question un peu amusante. En gros, ça veut dire qu'une bonne API demande le minimum, comme elle demande le minimum des librairies clients, elle demande le minimum de documentation. Aujourd'hui, dans ces meetups-là, globalement, on parle que des API REST. Personne ne va venir ici et parler d'autre chose. Donc, c'est déjà la chose qu'on a plus ou moins en accord. Et s'il y a des gens qui veulent parler d'autre chose, ils sont invités. Et moi, je serai capable de troller un tout petit peu contre les API REST après, si vous voulez, parce qu'elles ne sont pas parfaites. Cette approche n'est pas parfaite. Et précisément, là, on arrive tout à coup. Et si vous avez un tout petit peu vu ce que c'est que ATOAS ou Hypermedia, vous voyez, ou JSON-LD, ou JSON-Schema, certains d'entre vous vont commencer à dire « Ah, je connais tous ces machins-là, ça s'appelle SOAP over JSON. » Mais parce que si vous regardez les API SOAP, elles ont théoriquement cette qualité-là. D'essayer d'écrire toute seule. Il y a un fichier WSDL qui fait partie de l'API. Les premiers endpoints de l'API, d'accord, le cas d'usage numéro uno, d'accord, c'est que j'ai les points d'entrée, en gros, me dit où est le WSDL, le Web Services Description Language, et c'est celui-là qui va me donner tous les autres points d'entrée de mon API et me dire précisément chaque message que je pourrais échanger avec. Magnifique! Et or, nous, comme communauté, on a décidé que c'était une super mauvaise idée, que ça marche très, 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 très mal. Et or, de nouveau, maintenant, on vous tanne avec ce type de choses. Vous avez vu ce que c'était qui reste plus ou moins. Vous avez vu que c'était... En gros, on dit on va être pragmatique et simple. Et tout à coup, on recommence à parler des choses un peu compliquées. Donc, on va voir pourquoi. Donc, mais quand même, on va dire, voilà, une bonne API, c'est quelque chose qui saura se décrire. Et saura se décrire, ça veut dire tout simplement qu'il y aura très peu de surprises pour le développeur qui va travailler avec et que beaucoup de la découverte qu'il peut faire de l'API, les méthodes qu'il peut appeler, la sérialisation et comment ça marche, il pourra les faire en face de l'API sans changer de fenêtre de navigateur pour aller voir une doc très longue. C'est lié aussi à ces standards qu'on a dit, je pense, en deux. Quand je fais une API REST, en gros, ça veut dire 99% de ma documentation, c'est quelque part des RFC que vous allez trouver sur W3C ou IETF. D'accord ? En gros, ne m'embêtez pas avec... je ne vais pas vous embêter avec la doc pour savoir quel est le transport layer ou le protocole layer pour parler avec mon API. HTTP, c'est le port 80, vous savez déjà, ça va. Et je vais vous dire que ce n'est pas le cas, si, et uniquement si ce n'est pas le cas. Je vais vous dire que la manière dans laquelle je dis OK, c'est spécifiquement avec la chaîne de caractères 200 espace OK. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce doc chez moi, je ne vais pas même vous le dire, je vais vous dire juste, je ne suis pas con, je fais comme tous les autres, la vie sera belle. Et ça, c'est cette dernière chose, j'ai oublié que je l'ai mis, qu'elle est prédictible, d'accord ? En gros, c'est le principle of least surprise. En gros, et j'ai dit que, comme, c'est-à-dire que si moi et 1 million d'autres développeurs, plus ou moins de la même décennie, vont se dire qu'est-ce que fait cette méthode-là, on sera tout le monde plus ou moins d'accord.
C'est un peu cette chose que dans le monde Ruby, on appelle conventions over configuration et quelque chose comme ça. En gros, l'idée est qu'on se comprend. Et il y a des choses normales. Et donc, toujours vous, vous êtes déjà habitué et vous faites comme ça un peu. Chaque fois que vous voyez quelqu'un faire un delete dans l'URL par un get, vous dites, je sais pas bien ça parce que c'est surprenant, c'est incroyablement surprenant, surtout si le mot delete est remplacé par autre chose. Parce que parfois, mais si ça va être remise à zéro ressource dans l'URL ou avec les verts, il faut y penser. C'est-à-dire, on est un peu surpris, il faut y penser. Toujours si, dans les résultats que vous recevez d'une API, vous voyez des choses avec des accolades, des points, des points virgules. Mais si ce n'est pas JSON, mais quelque chose qui ressemble un peu à JSON, et là vous allez être surpris. Et peut-être les mecs, toujours, peut-être il y a des raisons techniques super pour lesquelles JSON n'était pas applicable à notre domaine. Mais en gros, toujours, la prédictibilité, ça veut dire en gros, on fait comme tous les autres. Et peut-être on va à la fin parler de Harlem Shake, et le fait que les API Harlem Shake, la manière de laquelle on fait aujourd'hui les API, c'est un peu ça. Et donc, je vais essayer maintenant d'aller un peu plus rapidement. En gros, quand on dit REST aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est-à-dire toujours, on n'a pas un gros standard, machin, ça veut dire en gros que par les gros Harlem Shake de l'univers GitHub, on regarde les API les uns des autres, on trouve plus ou moins ce qui semble être des bonnes pratiques, et on dit, voilà, quand on dit API REST, ça veut dire on colle plus ou moins aux bonnes pratiques de ces mois-ci, d'accord, avril 2013, mais pas trop non plus, c'est-à-dire si la bonne pratique a l'air d'être vraiment de mars 2013, alors on va attendre mai. Et qu'en gros, on est la bande, le reste API, c'est la bande qui dit on va essayer de faire un truc pragmatique, simple, une bonne API, c'est tout. Et donc, en gros, toujours, comme vous l'avez déjà entendu mille fois, les API REST, c'est un style. D'accord, c'est un style d'architecture. Et donc, appliquer un style, c'est rentrer dans un processus de design. On va y arriver beaucoup plus tard. Et donc, globalement, les logiciels, d'une manière générale, on est d'accord, ils s'occupent des données. On est les machines Turing, machin, données, code, c'est la même chose, n'est-ce pas? Et en gros, l'abstraction que nous, on manipule, c'est des entités. Donc toujours, tout le monde fait des MVC, des choses comme ça. Et dans REST, on a décidé de renommer ça en ressources. C'est pas grave. C'est la même chose. C'est les entités métiers qu'on a, qu'on appelle des ressources. Et en gros, une API va donc exposer des méthodes qui vont nous permettre d'accéder ou de modifier des données. Et toujours dans, et ça, c'est, je sais, quand on parle des restes, il y a les trucs qu'on se comprend en gros tous, JSON RPC, quoi, les trucs put, post, delete, machin. Mais après ça, il y a les deux autres choses qui traînent, tu vois, qui sont dans les noms. D'accord, c'est les states. Et les representations, on n'en parle pas énormément. C'est-à-dire que très souvent, quand on imagine, quand on parle des API REST, on dit HTTP plus ou moins normal, domaine 200, domaine 404, et domaine 503 quand il faut, je ne sais pas. Mais le côté state et le côté representation, yeah, ça c'est le truc déjà un peu compliqué. En gros, si nous les ignorer un peu. Mais, ouais. Mais en tout cas, on peut dire tout simplement que toujours, on peut décrire l'effet de modifier de la donnée comme un changement d'état. C'est-à-dire qu'en gros, toujours, on va demander un changement d'état d'une ressource et que toute opération d'écriture peut être décrite comme ça. Mais d'abord, c'est quoi une ressource? Donc une ressource, c'est quelque chose qu'on peut adresser. C'est tout. Et ça, c'est assez important toujours parce que souvent, vos frameworks vont représenter l'architecture REST comme un mappage crade
plus ou moins, sur ce qu'ils considèrent comme les ressources ou les modèles qu'ils ont. C'est-à-dire que donc, si j'ai client et facture, d'accord, en gros, je vais tout simplement avoir une type de transposition de ces modèles internes. Et on a vu que peut-être tout au début, que ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais que nous, on doit penser à la ressource tout simplement comme toute chose qui peut avoir une URL. Donc, je dis que toute chose qui peut avoir une URL est une ressource, et une adresse est une ressource, et toute chose qui peut avoir une adresse peut être représentée par une URL. Pardon, c'est comme ça. En gros, donc, si un livre, d'accord, un livre, il a un ISBN, on peut bien voir comment est-ce qu'on peut transformer cette URI dans une URL, tout simplement, par un service qui va résoudre l'ISBN en autre chose, n'est-ce pas? Et si je vous embête, vous jetez quelque chose sur moi, je ne sais pas. Donc, on va regarder quelques ressources. Donc, ça, cette ressource-là, c'est le W3C. D'accord. Et là, il y a une ressource intéressante. Et précisément, je vais jouer avec ça. Peckelman.com/time. Parce que ça, c'est une ressource un peu bizarre. Ça, c'est, là, on peut commencer à troller déjà. Et ouais, voilà, et Paris, et ma dernière presse est aussi une ressource, elle est adressable. Je porte pas mal de méthodes. Mais globalement, toujours, dans notre bande à nous, quand on parle d'une URI qui représente une ressource, en gros, elle a cette gueule-là. Hop. D'accord? Donc en gros, API. Point. Pourquoi pas? Et type de ressource. Facture, resource ID, pas facture parce qu'on nomme toujours nos URL en anglais, n'est-ce pas? Parce que les URI sont une partie de notre design d'API et qui doit malheureusement être en anglais. URLs must be in English. So. Et après ça, on a l'identifiant de la ressource, on a quelque chose qui va déterminer son format. En gros, .json, .xml ou rien pour dire JSON. Et quelques filtres, Q égale et API key. Souvent, c'est comme ça. Et parfois, toujours, on a quelques patterns différents. Par exemple, on a les très connus, très utilisés patterns et collection items. Et surtout, les très connus et très utilisés, collection item imbriqué. D'accord? Donc, collection item, collection item. D'accord? Donc, j'aurai mes clients, et puis j'aurai l'identifiant du client, et puis ses factures, et l'identifiant de la facture. Évidemment, j'aurais pu le faire plat, mais il y a quelque chose de très agréable là. Surtout si je vais le faire en hypermédia après. Et parfois, on y va un tout petit peu, toujours, bonne ou mauvaise pratique, on va peut-être en discuter, et parfois, on y va un peu plus. Donc, on met la version dans l'URI. Pourquoi? On ne sait pas. Mais on le met parce qu'on nous a dit que c'était une bonne pratique. Pas sûr de tout. Hein. Et parfois, on nous dit de mettre la langue quand notre ressource a... Toujours. Ça, c'est plutôt probablement juste parce que ton framework... te donne vachement des facilités si tu le fais comme ça. Et sinon, tu vas souffrir la mort. Mais pourquoi pas? Parce que ça, c'est une chose assez... absolument pas reste. Si c'est la même ressource... Si je cherche une ressource, et c'est la même, mais elle a des versions linguistiques différentes, un reste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire représentation. C'est la même ressource qui a deux représentations différentes, deux représentations linguistiques différentes. Et vous avez vu, bien sûr, et les gros les trucs, c'est souvent les points .json, .xml, machin, donc cette représentation, et qui est, sur laquelle je ne vais pas trop parler, mais... souvenons-nous juste qu'on n'est pas censé, quand on fait du REST machin, les API modernes, les bonnes API, on n'est pas censé bricoler. Et que ça, c'est un type de bricolage dégoûtant,
parce qu'il y a deux sémantiques différentes et deux manières différentes de dire quelle est la représentation de la ressource que je veux. D'accord ? Donc, point JSON machin ou dans les content type headers. Yeah. Et donc, on arrive, enfin. Donc, on a vu qu'une ressource, était une URI, et c'est quoi hypermédia. Et donc, les URL restent juste des URL normales. Et en gros, l'hypermédia, c'est juste une API REST qui sert des liens aussi. C'est tout. D'autres URL. Mais d'abord, on va prouver que c'est une bonne idée d'en parler. D'accord ? Donc, on va utiliser une petite API. Hop, stank. Oh, go. Merde. Wow. Et donc, je suis passé. Donc, j'utilise mon logiciel de présentation qui a... PowerPoint est un logiciel, n'est-ce pas ? J'ai fait une présentation, ceci est un logiciel de présentation. Sauf que moi, j'ai un logiciel de présentation spécial qui marche avec les autres logiciels de présentation. Donc, et là, on nous explique un tout petit peu plus, parce que moi, je n'avais pas envie d'écrire ces slides, surtout que ces slides-là étaient super bien écrites. Et donc, on nous dit, et vous le savez déjà, d'accord, sur la question reste, que voilà, on a le put post machin, papa, que HTTP, c'est cool, parce qu'on a plein de trucs à ne pas écrire, parce qu'on a du varnish, et plein de choses qui vont nous donner plein de trucs super gratos. Et on a déjà appris un tout petit peu des choses sur l'idempotence, on ne va pas en parler. Et sur la représentation, ah, voilà. Et là, on nous montre direct quelle serait la gueule d'une API hypermédia. C'est tout. La seule différence entre une API REST normale et une API REST hypermédia, c'est que de temps en temps, il va y avoir quelque part un élément qui va avoir un href et une URL derrière. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les API hypermédia. Donc, on peut se poser encore les questions, quand même. Où est-ce que je mets ces liens? Parce que dans SOAP, j'aurais eu un gros standard, un des 17 milliards de standards qu'il y a. Parce que SOAP, c'est super. Donc, sans doute, quelque part dans WSSX, j'aurais l'information sur quel service est-ce que je dois appeler pour aller choper les tokens pour... Et dans ce monde-là, en tout cas, on n'en a pas. D'accord, je ne peux pas vous dire aujourd'hui où est-ce que vous êtes censé mettre vos liens. Là, par exemple, ce mec-là, d'accord, il fait la chose correcte. Hein, c'est-à-dire la chose correcte. La chose que moi, j'aime, c'est faire la chose correcte. Et tout simplement, il a une structure et il dit, voilà, ça, on représente l'utilisateur John. Je dis... Quelles sont les méthodes? Et donc là, tu j'ai la ressource. Et là, et il utilise direct dans la ressource href. Très souvent, d'autres gens vont avoir une structure pour ça, dans laquelle on va dire la relation de ces liens, et on va avoir la relation self. Là, ça s'explique tout seul. Donc ça, c'est un truc un tout petit peu bizarre, mais d'une utilité incroyable. Le fait que dans le document lui-même que vous allez envoyer, vous allez répéter l'URL qu'il y a dans... Donc, si vous faites... En gros, je fais la curl http://api/v1/users/john et je répète la même chose dans le document. Ça, c'est cette rel self qui est d'une puissance incroyable et c'est, en gros, les premiers liens hypermédias que vous allez mettre dans vos API. Et après ça, j'ai d'autres choses intéressantes. Toujours, il y a des petits standards qui se baladent, des débuts, des manières où des gens disent, voilà, il faut faire plutôt comme ça, plutôt comme ça. Là, c'est la manière assez intéressante dans laquelle, tout simplement, j'ai la structure JSON habituelle, sauf que de temps en temps, j'ajoute l'URL pour dire, voilà, et si tu veux, moi, j'ai un utilisateur qui s'appelle John, il a des meetings, et si tu veux savoir où, quel endpoint de l'API il faut aller pour avoir ces meetings. Je ne reviens pas maintenant sur le doc API. Je fais le premier appel.
Deuxième appel, je connais déjà, il est là. Donc, c'est un peu plus simple que toujours aller découvrir quelle est la signature, machin. Là, à la limite, toujours, parfois, je peux aussi donner, et là, c'est des styles différents. Il y a plein de styles différents. Je peux aussi tout simplement mettre des petites accolades, d'accord, et lui dire meetings, et donner ici les accolades, le curly braces here, and say IT. Comme ça, je saurais tout de suite qu'il s'agit d'un collection item. De cette chose collection item, d'accord, et je peux dire, voilà, non seulement je peux aller visiter la collection, mais je saurais aussi construire un ID, peu importe. Et on va continuer, et bon, hop, donc, hop, toujours preuve d'interopérabilité. Une chose très intéressante, là. Je suis revenu, je suis allé sur notre logiciel et je ne sais même pas quel logiciel c'était, n'est-ce pas? Et donc, moi, je crois que c'était Reveal.js parce que ça a une gueule de Reveal.js, par la CSS, quoi. Mais en dehors de ça, j'avais besoin de rien savoir. C'est le fait qu'on utilise des hyperliens, tous les deux, que ça marche, et parce qu'on utilise HTTP et on est stateless. Il suffisait que, et vous avez vu, je suis allé au milieu de cette présentation, hein, pas au début. Et on est revenu précisément au bon slide aussi. Et là, il y a une chose assez... Et sans doute, vous avez déjà un tout petit peu pensé à cette question d'un reste, tu vois, des state et de statelessness, d'accord, des API. Et côté client, et précisément, on voit une preuve là, super intéressante, sur le fait qu'en étant stateless, je peux créer un logiciel de présentation capable de mélanger des présentations différentes sans aucun problème, et c'est lié à ce fait que je n'ai pas un état partagé entre moi et le serveur. Alors, on va regarder un tout petit peu encore des versions différentes des API hypermédia. On ne va pas y aller trop longtemps, mais juste quelques idées. Et là, on va imaginer qu'on va appeler cette ressource qui s'appelle Time. Donc, est-ce que Time peut être une ressource? Ce n'est pas représenté sur l'ordinateur, n'est-ce pas, par un modèle dans notre MVC. Vous vous souvenez peut-être, on parle de temps en temps de l'idempotence. Qui connaît le terme idempotent? Idempotence. OK. Et je suis passé un peu rapidement donc, sur les parties put, post, get, delete, les quatre verbes. On a quelques autres. Et toujours pour que vous. Voilà. Pour épater les collègues, sortez-leur les verbes link et unlink. Not yet in the in any official specs, but considered stable in Ruby. Donc imaginons qu'on appelait pekelman.com/time, et j'aurais un document avec un message qui dit this document is blah 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 blah, status clock running, links. Et là, vous voyez une autre version. Donc là, vous avez vu d'abord la vraie ressource dans laquelle j'aurais mis peut-être d'abord zone et des points et le href à l'intérieur. Là, on a un style un peu différent, d'accord, dans lequel je mets tous les liens ensemble. Ça, c'est une chose que vous allez voir assez souvent. Et parce que là, ça permet d'automatiser. Ça permet d'automatiser les clients. En gros, on va aller choper l'élément links. Dans les clients, on va voir tous les links qu'on a et on peut donc avoir un niveau d'automatisation super intéressant. Et surtout, donc là, j'ai links et j'ai les rels. Donc les rels, c'est très important. Et les rels, c'est ces relations, d'accord, que j'ai entre les deux ressources. Donc là, j'ai une relation qui est self. Là, vous avez cet exemple de rels self, d'accord. Et je dis, voilà, les documents que vous êtes en train de voir,
sa version canonique ou la méthode API qu'il a donnée, c'est celui-là. Toujours, ça va être incroyablement important. Et là, j'ai une rel zone que j'ai inventée qui va nous donner les time zones. Et du temps, parce que j'ai une méthode là qui donne du temps, mais elle ne raconte pas dans quelle time zone elle est, c'est un peu rude. Et j'ai un rel current qui va m'amener vers une méthode API qui va me donner les temps qui est maintenant. Et j'ai une bizarrerie que j'ai derrière ça, value, et je donne aussi là, j'ai fait un truc un peu bizarre, je vous dis, la réponse est là-bas, mais vous savez quoi, je ne vais pas vous faire chier, vous pouvez aussi, voilà, vous avez déjà la donnée ici. Et toujours en disant, ça c'est pour dire quoi, que là vous avez vu des fois les mêmes deux attributs éléments, là, mais je donne du JSON, hein. Je peux mettre ce que je veux. Il n'y a pas un standard, il n'y a pas un comité de standard qui va venir me voir et me dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait là ?» Ça ne va pas. Et j'ai un truc un peu bizarre, le dernier, d'accord, qui est « rel reset title ». RAS, it's in French, remise à zéro. And verb delete et href point. Et beaucoup de bizarreries ici. Et je sais en tout cas que je sais résoudre ces points, n'est-ce pas, point de vue de l'informaticien qui va implémenter maintenant, parce qu'à un moment donné, les self, ça c'est pas un problème. Je sais quelle est la méthode que je dois appeler, mais c'est une très mauvaise pratique, on va le voir. Et donc, toujours, j'ai promis un peu d'idempotence. En gros, l'idempotence est un très très mauvais terme qui est arrivé dans les API, et qui arrive en gros des mathématiques. Et en gros, sa définition, c'est quand on applique une fonction à quelque chose plusieurs fois, donc fx, mais si je fais f de fx, f de x et f de fx doivent être égales. D'accord ? Une fonction est idempotente si elle a cette qualité-là. Mais dans les modes d'API, on dit un peu autre chose. Et on dit une requête idempotente et un sur à rejouer, c'est-à-dire que tu as les droits en tant que client, on ne va pas t'engueuler si tu fais la même requête deux fois, parce que une requête idempotente ne modifie pas l'état sur le serveur, et c'est pas précis parce qu'on a toujours les put qui est idempotent. Et en gros, donc, on dit en gros, toutes les méthodes sont idempotentes, sauf post. Et en tout cas, c'est un truc un peu bizarre et largement faux. Et vous allez voir tout de suite, parce que une grande partie des API ont de la limitation au nombre d'appels. D'accord ? Donc, quand je fais un get, quelqu'un, je modifie l'état sur le serveur, je modifie le nombre de get que je peux encore faire. Donc, en gros, et comme on est censé être pragmatique, peu importe qu'est-ce qui est écrit dans la dissertation de Roy Fielding, et get n'est pas idempotent. Et, mais pour vous, même si on parle dans le sens de vraiment rest get, voyez la resource time. Get ne le modifie pas, mais elle se modifie. N'est-ce pas? Le temps, chaque fois que j'appelle la resource time, et je vais avoir une réponse différente. Et dans votre design, toujours, c'est une chose assez importante à savoir, parce que ça va avoir avec quelque chose, avec le caching. Parce qu'en gros, on nous dit les méthodes idempotentes sont safe pour le caching. Et vous allez me dire que getTime, il est safe pour le caching, et je vais vous dire, vous ne faites pas un design superbe d'API. Et un tout petit peu de plus de détails sur les kung-fu spécifiques qu'on vient de voir. Et même si aujourd'hui les images sont des images de tai chi. Donc d'abord ça. Si on était dans un truc standard, il n'y a pas un standard qui me dit que je suis censé mettre les values là. Au contraire, on se dit, non, un truc propre, c'est que si now est là, je vais aller le chercher là. Sauf
que moi, j'ai comme client pas les cours de standard, mais vous. Et vous, en tant que développeur, vous avez appelé la chose, il se peut que vous n'avez pas envie de faire un deuxième appel. Surtout, peut-être, vous faites du développement mobile. Et peut-être qu'un deuxième appel, ça coûte très très cher. Et de manière générale, les appels, ça coûte très cher. Je n'ai aucune raison, quand vous allez sur une ressource qui s'appelle Time, et en plus, vous, et le principal of least supply, vous êtes en droit d'attendre à ce que Time va donner le Time. Ce n'est pas complètement fou de votre part de me demander que slash Time va le donner. Donc, maintenant, mon API Time est très riche. Donc, Time ne donne pas Now. J'ai un point d'entrée spécifique pour Now. Et après ça, j'aurai Time slash le Time Zone qui va me donner le Time dans ce Time Zone-là. J'aurai sans doute d'autres API méthodes, comme j'ai une API très riche. Mais je ne vais pas vous surprendre, vous faire chier. Donc, je vous donne les values là. Et quand vous allez faire vos développements, ça va être plus facile. Si vous allez vouloir étudier plus longtemps. Et là, toujours, j'ai cette deuxième chose un peu kung-fu. Je suis très fier de moi parce que j'ai utilisé le verbe delete. J'ai pas une, parce qu'on parle d'API REST, machin, mais ça, d'habitude, se limite de get, de post, du pseudo REST. Mais moi, je fais des API REST vrais, hein, donc je mets delete moi. Et je mets delete sur des choses qu'on ne peut pas effacer parce qu'on ne peut pas effacer le temps. Et donc, là, je viens de coller ma sémantique à moi, qu'on peut se comprendre. Si on va se demander, qu'est-ce que ça veut dire effacer les temps? Dans notre sens, ça va être plutôt, ok, probablement remettre à zéro l'horloge, ou quelque chose comme ça. Parce que peut-être j'ai un put là-dessus, et je peux manipuler les temps du serveur, pas con non plus. Et peut-être le serveur n'a pas, ne peut pas se connecter lui à un serveur NTP, et il n'a pas des batteries, c'est un Raspberry. Donc sur mon Raspberry, j'ai un truc time, j'ai bien besoin de pouvoir setter le time. Ce n'est pas une API complètement débile. Et delete serait ramené à un truc d'usine. Ça a l'air d'être normal. En plus, je vais donner un title en français. Mais tu as probablement, ça c'était kung-fu. Et les trucs qu'on va tous comprendre beaucoup mieux, on va faire un post, et probablement là, il faudra aller voir dans la doc que c'est quoi la ressource précise et qu'on est censé envoyer. C'est moins kung-fu, je suis moins cool, mais au moins, vous ne serez pas surpris. Parce qu'entre autres choses, j'ai les droits, en gros, c'est quand je fais ça, et je ne sais pas quelle réponse HTTP code retour HTTP, je suis censé donner là. Je vais donner quoi? Un 200, 202, 204 202. 202 a l'air d'être safe, parce que 202, ça veut dire écoute, je vais les supprimer, mais je suis à plus tard, donc la ressource est encore là, mais j'ai enregistré le fait que c'était, voilà, qu'il faut faire quelque chose avec. La sémantique est proche, mais pas précise, donc... Et voilà, donc on va essayer de ne pas surprendre des gens. Et maintenant, j'ai terminé avec ma grosse presse de la mort qui tue. On va parler un tout petit peu juste, 2 minutes. Et on va peut-être switcher de nouveau. Et quelqu'un souffre et je fais un peu d'anglais parce que lui souffre aussi. D'accord? So, we'll switch a bit to English now. Because this was the one-on-one and you must know the one-on-one. We'll talk about some use cases, so one you've already seen, it's the basic pattern of hypermedia APIs is collection item. Collection item or master detail, basically. If I'm giving you a result that is a list of something, it would be really, really nice of you, instead of just giving me the ID for each item, give me the whole URL. It might be relative to your self. That's okay. This is why we give self. One of the reasons we give self is so we will be able to use relative URLs. So it will be easy, because we don't have base href thingy from HTML. If you give me the whole URL, a lot of really, really nice stuff happens to me now. One, I can visit this with a browser, a web browser, the same URL,
and I can click. Depends on my browser, but there's a very good chance I can click and go there. I can use some of the really nifty HTTP consoles that are out there, like HTTY, and just do, so if I'm on collection users, and I will be able to type CD2 and go visit users/2. And when I will type G, it will show me the document. And again, we a lot of this, we design good APIs because we want to make a lot of money, and we make a lot of money through very, very happy users that choose us over our competitors, even if we're more expensive. The other one, it's quite easy here. You see the logic, I mean, why the hell would you not do it like this? What possible reason could you have to give the ID without saying what is the method to go get this document? If you have the self relation, the weight difference is only the self URL. So again, if you have a collection of many items and you're using the self relation, you can use relative URLs. So href1 will be understood as self/1. So no. Next. There is no reason. You are also going to find out something incredible here. If I implement my calling the other thingy by using my client-side code, is going to have somewhere a configuration saying, okay, users is this URL, user is this one, I take ID, I put ID in this other thingy. What happens now if you want to change the way you address users? If you want to rename the resource? You have to change major versions of the API. You have to, because this is a breaking change. But if your API is a hypermedia API, and they get the URL, they are supposed to call the endpoint, this is cosmetic. It's not a major API breakage thing. And the only, basically, thing that is going to be majorly breaking APIs, the only thing is this. Is renaming resources, and in the API group, I said I was going to talk about versioning, and suddenly V1 doesn't sound that necessary. And if it is, it becomes a bit different anyway. Let's look at another thing, which is one of my favorites, and it is pagination. So everybody knows that every kind of collection must always be paginated, or you will be DOSed, you will die. Something will kill you because memory is limited, and if anything can be invoked that will grab a collection that is of unknown size, this one I will repeat in French because it's... donc, j'espère que tout le monde sait que tout type de liste doit toujours être paginé, parce que, en gros, vous avez un DOS, sinon, parce que la mémoire des ordinateurs est limitée, et si on peut invoquer, côté client, côté serveur, quelque part, le fait de construire une liste dont on n'est pas la taille, il y a une très bonne chance que quelque chose va péter. Et gravement. Mais il y a la question de comment faire la pagination. Une des méthodes habituelles, c'est d'envoyer les nombres des résultats, les nombres des résultats par page, les nombres des pages, et le client va maintenant paginer en faisant une arithmétique assez simple, d'accord, et en construisant les ID suivants, d'accord, les first ID de la page suivante. Ou on est un tout petit peu moins con et on donne comme paramètre non pas les ID premiers et combien de trucs on veut, donc on ne va pas donner 10 000 plus 30, quoi,
mais on va dire, voilà, page 7. Mais vous voyez bien que c'est complètement cassé dans un monde dans lequel je ne peux pas avoir un lock universel sur toutes les données de l'univers. Parce qu'il peut y avoir eu des insertions ou des suppressions, n'est-ce pas, entre les moments dans lesquels j'ai fait la recherche, où j'ai la liste des résultats. Et donc, GSelf, n'est-ce pas, je peux tout simplement avoir l'URI, les REL, la relation prev, next, previous et next, qui va juste reprendre mon état actuel. D'accord? Donc, moi, je suis sur ID, whatever, et je peux demander c'est quoi les prev et c'est quoi les next par rapport à celui-là. Et une des choses assez amusantes, c'est que ce n'est pas théorique du tout. Si vous faites des applications mobiles et, ou des sites mobiles ou machin dans lequel, ou tout simplement des gros trucs à backbone et des choses comme ça, vous allez avoir ces erreurs apparaître et c'est des bugs qui apparaissent parce que soit vous allez arriver, et les utilisateurs, pas vous, quand vous testez, ça marche. C'est quand les utilisateurs les testent que ça ne marche pas sur de la vraie donnée. Et vous allez arriver sur des pages de résultats vides parce que vous avez fait les next, mais quelque chose a été supprimé, et il n'y a plus rien. Et on va espérer que votre système est gracieux par rapport à ça. Et soit, au contraire, vous allez juste avoir des trucs bizarres. Là, c'est une chose assez amusante, parce qu'en utilisant mes API, mes relations prev-next hypermédia, il y a tout un ensemble de bugs que j'évite, que je n'aurai plus jamais. Et... ça, je vais avoir répété. Toujours, les droits. Pardon. Oui, pardon. Christian Fauré. Christian Fauré. Dans quelle mesure, sur cette question de la pagination, je me pose toujours vraiment de l'intérêt quand je suis confronté à une situation où je dois avoir des résultats et donc mettre en place de la pagination, surtout dans une logique d'API. Pourquoi j'en arrive à cette situation où je devrais, vis-à-vis d'un appel, répondre à un nombre important de ressources, de listes, etc. Et dans quelle mesure, je te pose la question, il n'y a pas finalement une faille en matière de conception quand on arrive d'entrée de jeu en acceptant le fait qu'on va avoir à implanter la pagination. Ma question, c'est finalement, est-ce que le fait qu'à un moment donné, je dois implanter la pagination n'est pas le signe d'une forme d'erreur, entre guillemets, je ne dis pas que c'est une erreur, mais... de quelque chose que je n'ai pas interrogé de la conception de mon API et de mon logiciel derrière. Je ne crois pas, parce que donc, la bande à langage fonctionnel, ils aiment les lazy evaluation, et, tu vois, les séries infinies, des choses comme ça, je comprends. Mais dans la réalité, l'interface utilisateur est une fenêtre sur l'univers. On a un certain nombre de pixels, pas plus que ça, et ce n'est pas intéressant, utile ou possible de mettre plus de choses que ce qu'on peut mettre dans les pixels qu'on a sur l'écran. Donc, en gros, si je suis en train de traiter les employés de ma boîte, d'accord, et si jamais il y en a quelques-uns, en tout cas, je vais pas être capable de les représenter tous. Et toujours l'intérêt de l'utilisateur, toujours cette fenêtre représente la pagination. Donc, c'est un use case qui est forcé. Il est lié à la manière dans laquelle on utilise aujourd'hui les ordinateurs. Donc, je vois pas comment est-ce qu'on peut passer outre. Et la pagination, ça ne veut pas dire toujours qu'il y a des pages ou qu'il y a des numéros de pages. Ça veut dire juste que je montre d'une liste grosse une partie de la liste, que je n'envoie jamais la liste complète, que je suis lazy, en tout cas, sur cette question. Je peux évidemment implémenter ça sur le UI ou même dans l'interface, dans l'API, en streaming. Mais même si j'ai fait du streaming, là, quand même, j'ai même fait bizarre. Et c'est lié à la nature des UI, tu vois, la manière dont on utilise des ordinateurs. Je ne vois pas comment est-ce que... Si je te pose la question, c'est parce qu'il y a un débat. Il y a sur, moi, je dis, sur cette question-là, il y a vraiment des juifs qui disent, les gens qui disent, je ne sais pas comment c'est, mais si vous avez un problème de pagination, si vous avez un problème de conception, surtout dans les API avec des logiques de gestion, quoi, parce que là, c'est le modèle de moteur de recherche, je fais une recherche. Oui. J'ai plein. Ça veut dire que c'est parce que je cherche, ou je suis dans une logique documentaire, je suis dans une
Je dirais toujours que si tu ne vas jamais afficher des éléments d'une collection, tu es dans, en tout cas, dans tous les cas, les cas dans lesquels on affiche des éléments d'une collection, on est dans ce que use case. S'il y a une liste d'employés, il y a une liste d'employés, c'est une liste. Et si c'est une liste, elle est paginée. Après ça, est-ce que j'ai besoin de manipuler ? Donc, une excellente. Je vais rebondir là-dessus. Non, je vais rebondir tout de suite là-dessus. Et donc, j'ai une ressource qui s'appelle Users. Et je peux avoir deux représentations différentes de cette ressource. Il se peut qu'une représentation va juste me donner le nombre d'utilisateurs que j'ai, parce que tout ce que je veux, ou l'état, ou quelque chose comme ça, d'accord ? Parce que tout ce que je veux, c'est ça que je veux savoir, hein, combien d'utilisateurs j'ai. En tout cas, je ne vais pas voir. Et donc, toujours, la représentation d'une ressource peut avoir la sémantique que vous voulez. Et peut-être vous allez utiliser, et ça, j'espère, vous pouvez utiliser des media types différents pour représenter ça, la même URL, et vous allez avoir votre propre media type, par exemple, Pekelman, vnd-pekelman-users-meta, je ne sais pas. Moi, je trouve ça... Dégoûtant, mais parce que tu vois, au niveau curl, quoi, t'as tapé beaucoup de caractères. Il y a un pays, toujours, a très peu de choses qu'il a besoin de savoir. Il a besoin plutôt de savoir les noms des opérations métiers. D'accord, qu'une facture peut avoir des lignes, donc tu peux avoir une relation nommée et là-dessus. Details, je sais pas, order details. Mais quelle est précisément l'URI, quelle est la sérialisation derrière, je ne sais pas encore, on pourra le savoir plus tard. Voilà, donc je pense que j'ai fini là mes slides en tout cas. Et voilà. Et donc est-ce qu'il y a quelqu'un de suffisamment... Ah, oui. C'était évident, mais ce que tu as présenté sur le slide d'avant... c'était en fait que des problèmes de conception d'API, finalement, au niveau du media type, à chaque fois. Sauf la dernière, où tu parlais vraiment de l'URL, est-ce que je dois mettre le versioning de l'URL ? Et c'est pour ça que tu as parlé à un moment donné d'Atom, c'est-à-dire que le choix du media type est quand même important, parce que tu as commencé en parlant de JSON, c'est une évidence, et on ne va pas rentrer dans du trolling, mais bon, il y a plein d'autres media types qui peuvent être utilisés, par exemple HTML5. Ça, c'est une remarque. Tu n'as pas parlé, mais tu ne peux pas parler de tout. Je voulais avoir ton avis sur l'utilisation des headers HTTP dans ce que tu as décrit là. Il y a un an, donc j'ai une RFC à moi, qui est mon RFC, mon request pour au comments à moi-même. Dans lequel j'écris comment est-ce que j'écris des API REST. Et comme une bonne RFC, elle vit. Il y a un an, elle disait hypermédia, chimipermédia, fait chier. Il faut aller au plus simple, il faut être pragmatique et pas inventer de nouveaux standards. Il y a 6 mois, plus ou moins, elle disait, en implémentant une API should, d'accord, the proprietary of putting of using hypermedia, et plus ou moins il y a juste un peu derrière must implement pagination as hypermedia links, c'était le seul must, tout le reste c'était should machin, et en gros là je sais pas, c'est should probably consider yourself extremely stupid if you're not. Donc je dis pas must, mais pour quelle raison au monde, maintenant que j'en ai vécu avec, j'en ai fait des API comme ça, et que j'en ai utilisé, et c'est stupidement être cruel à ne pas les faire. Aujourd'hui, par rapport au... Je suis toujours dans les situations dans lesquelles j'étais il y a un an. Aujourd'hui, je dis,
les custom media types, et en gros, faites du JSON, les amis, ça va aller. Et surtout que JSON, elle dit, JSON schéma très nice. Si vous avez vraiment besoin de ça, vous pouvez déjà les utiliser. Et que, en gros, must implement JSON, can implement XML. Et trop tôt. Toujours, c'est pas fini, la discussion n'est pas finie. J'ai dit au début que pour moi, les API REST, c'est en gros la bande qui dit on va essayer d'implémenter actuellement les bonnes pratiques plus ou moins actuelles du mois dernier. Pour moi, c'est peut-être des choses, c'est-à-dire que si on se revoit là-dessus dans un an, je dirais yay. Pour le moment, quand je tape au cœur, je vais pouvoir utiliser mes API en cœur. Quand je commence à utiliser trop de headers, ça commence à... Voilà, bien sûr. Donc, là, je considère, par exemple, c'est un bon exemple, ouais, là, j'irais header. C'est suffisamment intéressant et compliqué, et ça augmente énormément ma testabilité par les browsers, et j'aime bien tester par les browsers. De la même manière, j'adore dire, voilà, ma sérialisation, c'est HTML, et en gros, mon autodescription de l'API, c'est des formulaires web. Cool, parce que là on dit en gros le site web c'est l'API, vous le faites bien, il est une API, yeah. Vous supportez juste tous les verbes qu'il faut sur votre machin, et en plus probablement point de vue des URL SEO machin ça marche très bien parce que vous êtes en train d'être rationnel, ça ira très bien. Mais voilà, donc sur et alors au cas par cas, je dirais oui langue, je vais pour les except machin. Par contre content type negotiation sur les JSON machin. Pas trop, parce que pour le moment, ça me va très bien le point JSON, ou juste le slash, où tu vois, la ressource a rien, en disant, c'est JSON, je mets un point XML, si ça doit être un XML. Pratiquement, ça va, quoi. Et je ne m'invente pas des solutions à des problèmes que je n'ai pas non plus. Donc, pour résoudre quel problème. Et là, tous ces trucs-là, oui, ça vient de la bande idéologique, mais moi, je vous le répète, parce que pour moi, ça vient maintenant de la bande pratique, parce que j'ai implémenté comme ça, et que je me trouve super outillé aujourd'hui pour le faire, et que quand je l'ai fait comme ça, et que je génère mon swagger, boum, tu vois, ça fait joli, quoi, tu vois, tout est cliquable, machin, deux temps, trois mouvements, la vie est belle. Et voilà. Donc pour moi, j'essaierai pragmatique de nos jours. On a terminé là. Ah non, pardon. Pourquoi ? Non, personne n'est interdit d'écrire un roman dans ton JSON qui va dire, écoutez, comme on a dit là, on a mis method delete, et on peut dire, et pensez à ne pas oublier de mettre les bons content types par rapport à l'angle, les content negotiations, etc. Et d'ailleurs, sinon, voici un des rel que j'adore, c'est rel doc. En gros, je vous dis, écoutez, tout, il n'y aura pas de surprise, vous me comprenez, je te comprends, il y a users, vous faites un put sur un user, vous faites un post sur put user modifié, post machin, je n'ai pas besoin de vous donner de la doc. Par contre, là, il y a quelque chose d'un peu kung fu, il y a rel doc. Clique, j'ai les liens, j'ai la doc, merci, au revoir. Réponse, non ? Hein ? Non ? Si c'est un href, donc il y aura, par exemple, dans la structure JSON, si c'est JSON, il y aura language versions, hein, et il y aura rel lang type égale fr, type égale machin. T'as le droit de faire ce que tu veux. JSON pour spécifier les HTTP. Oui, monsieur, par exemple. Pourquoi pas, c'est-à-dire, mais, ou tu le mets dans la doc. Mais la question c'est, ok, est-ce que c'est spécifique à la ressource dont on parle là, où toute mon API a ce multilinguisme profondément dans son cœur, auquel cas je l'aurais documenté une seule fois. Et où est-ce qu'on met la doc API ? Slash. Que ce soit très très clair. Slash, c'est la doc API. Et si vous faites une deuxième chose,
qui est slash, elle est dans les content type HTML. Vous donnez la doc API normal, la console API normal, quoi. Mais si on demande .json sur les slash, sur le content type JSON, là, vous donnez de l'hypermédia avec les points d'entrée de votre API, et vous venez d'augmenter de 3% au minimum les taux de conversion de votre API par rapport aux développeurs. Parce que qui d'entre vous n'a jamais visité http://api/. Bonne chose. Ok, et Mehdi va m'engueuler si je ne termine pas. Merci beaucoup. On va continuer après avec des... Canal TP qui sont arrivés. Ah, super, voilà, voilà. Salut, Canal TP. Et donc, justement, bah, l'idée, c'est que... Bah, you're sitting here, but... It's beautiful. Canal TP, bah, voilà, va expliquer un petit peu ce qu'ils font, donc rappeler un peu leur API. Puis justement, puis, ça sera l'occasion, vu la présentation, vu qu'on parle des designs, que les gens sont d'accord, et que, bah, voilà, de regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et de voir, en termes de design, s'il y a des choses à améliorer, des choses que... Mais peut-être on va déclarer une pause de 5 minutes avant. Pause de 5 minutes, le temps que la NTP se prépare. Donc voilà, je vais utiliser pour mettre le site 5 minutes. Bravo. Ah oui, bravo.